La presse, non, un moment bien spécial, et puisque nous-mêmes au niveau chemin de Grèce Haïti, et même la toute population haïtienne a révolté, et par Zach d'humiliation, Zach de maltraitance que chaque haïtien compatriote, Zamine, frère nous, a victime, tout côté au passé dans le monde blanc, spécialement en Turquie, aux États-Unis, au Mexique, en République Dominicaine, plus proche de nous. Je dis, hein, nous-mêmes, au niveau chemin de l'Université Haïti, nous analysons la crise qui a passé en République Dominicaine, puisque ce n'est pas pour la première fois ça a passé. Tout le monde connaît l'histoire Haïti avec la République Dominicaine, la question de la crise migratoire. Mais dans le moment où nous sommes là, bagarre plus en main, puisque bagarre passe en l'autre étape. Nous avons tous les acteurs qui positionnent, ça te permet que nous prenions le temps pour nous chercher à comprendre ce qui a passé. Mais nous avons gardé après plusieurs jours, nous voyons que le gouvernement n'a pas besoin qu'une action. Lors de situation diplomatique comme ça, nous contenons des actions diplomatiques qui posaient. Par exemple, dans une situation comme ça, nous avons pensé que le gouvernement a convoqué l'ambassadeur dominicain en Haïti pour qu'il vienne une explication sur ce qui a passé en République dominicaine. Ou du moins, le ministère des Affaires étrangères a rappelé l'ambassadeur haïtien en République dominicaine pour consultation. Mais nous gardons nous rien qui fait. Et c'est ça qui va nous faire nous comprendre. Le nom même au niveau de chemin de l'Université Haïti, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons dit, monsieur Damio, appliquez la constitution de 47 là pour que le pays ait un président. Et là, nous avons dit ça, c'est parce que nous connaissons que le président, il est le premier citoyen de la nation. Premier diplomate paysan, premier interlocuteur paysan, c'est le président. Donc, Luis Abinader est venu en compte que pas d'interlocuteur pour le moment en Haïti. Ariel Henry est le premier ministre et Abinader est le président. Donc, pas d'interlocuteur valable et direct. Ça vient fait que pas de monde qui pour al soulever problème haïtien au Dominique Kenyo. Et c'est là nous-mêmes au niveau chemin de l'Université Haïti, nous venons lancer appel à les Nations Unies. Nous venons lancer un appel avec ensemble pays dans le monde. On appelle à la solidarité internationale pour que la République Dominicaine qui signe des conventions et des traités dans la question de commerce pour les Nations Unies sanctionnelle. Sanctionnelle pour violation systématique des droits humains. Parce que en dépit de tout ce qu'a reproché à haïtien, il a droit pour le vivre côté le passé. Il a droit pour exister comme moun. Donc, la République Dominicaine n'a pas respecté l'accord ça. Donc, il a violé le droit citoyen haïtien. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous venons demander à la communauté internationale, les Nations Unies, à tout peuple sous la terre, pour porter coller avec haïtien ça qui est en difficulté en République Dominicaine. Donc, dans ce sens, nous croyons que c'est important. Parce que ça qui vient là en Haïti, son complot international. L'aide du complot international, je dis à nous tous, par sa savoir, le pays a confronté une inflation de 38%. Ou bien 150 gouttes pour un dollar américain. Donc par conséquent, manger vit luxe. L'école ouvre, parents pas qu'à voir les petits de l'école. Moun pas qu'à manger, moun pas qu'à circuler, de tout problème qui vient là déjà. Donc couple a lié à l'école, hein? Lui vient dans une situation où c'est même l'international qui mettait, qui a humilié ici, et nous tendait dans la presse, côté que vous dites, il y a des gens qui mangeaient des éléments qui consommaient des bagages sur le territoire dominicain, ils sont malades. Donc ça, c'est des violations de droits que nous avons gagnés, et c'est des attaques contre l'humanité, et je pense que faut que le monde campe face avec ça pour prendre sanction contre la République dominicaine. Merci. Notre démarche pour nous, demander avec Maman Marie pour le faire acteur politique. Acteurs dans différents secteurs pour tendre raison et prendre conscience de la situation qui est là comme pays, comme peuple. Et demander au tout, il faut que c'est la constitution pour qu'il y ait appliqué. Plusieurs constats faits à travers ce CPA, plusieurs accords, gens que nous avons toujours tendu, mais il n'y a pas de résultat. Il fait pays a perdu 16 mois. Eh bien, nous-mêmes au niveau chemin de délivrance, nous prenons recours côté que pour nous adresser nous avec tout secteur, que ce soit le vaudou, que ce soit l'adventiste, que ce soit le baptiste, pour que, quelle que soit l'activité à faire en termes de spiritualité, eh bien, chemin de délivrance, partie prenante ou bien d'Acadie, n'a monté à bord dans la question. N'a monté à bord pour que, une fois pour toutes, faut que la population haïtienne râle en souffle et ça fait nous demander, Maman Marie,
faut que la population haïtienne ait une délivrance dans toute intégralité. Mais délivrance à tout, c'est pour une délivrance côté que c'est un cadeau, mais c'est chaque monde dans la société croit que la situation à vivre là, on ne peut plus difficile que jamais. Nous-mêmes, au niveau du chemin de délivrance Haïti, nous demandons pour que chaque grain acte à travers 9 ans qui a commencé là et nous demandons encore Maman Marie pour lui donner nous force pour nous capables de participer dans l'activité ça et participer dans toute intégralité. Et ça fait nous inviter avec toute la population dans tous différents quartiers, malgré les quartiers abrasés, malgré les quartiers en détresse. Eh bien, je dis à Chemin de Livrance, nous prenons le devant pour nous venir devant la presse pour nous dire, peuple haïtien, nous n'avons pas gagné aucune autre alternative. C'est arriver, participer dans la procession ça pour nous demander aux acteurs politiques pour autant de raisons et prendre conscience de la situation de là pour que c'est la constitution de 1987 qui est appliquée dans sa globalité. Parce que nous t'ai parlé tout le monde, nous t'ai parlé tout secteur, nous t'ai dit, il faut que c'est application constitution, c'est application de la loi, parce qu'on pas aucun pays sous la terre pas on pas qu'à vivre en dehors de la loi. Donc en sens ça nous même au niveau chemin de délivrance, n'attend Maman Marie bay peuple ça délivrance pour que une fois pour tout peuple ça à travers fin d'année et arriver dans début année 2023 pour que nous joignent un souffle à travers pays ça. Merci.